Eh bien bonjour, je me présente, je suis le lieutenant-colonel Philippe Mérès, je suis directeur du pôle innovation et nouvelles technologies dans un établissement public basé autour d'Aix-en-Provence qui s'appelle l'Entente pour la forêt méditerranéenne à Valabre. Nous sommes aujourd'hui un partenaire d'EnviroRisk, nous avons mis en place une conférence et nous pensons avec l'ensemble des partenaires d'EnviroRisk qu'il est important d'aborder ensemble, collectivités, industriels, États, l'état du risque sur nos territoires et de regarder quelles solutions nous pouvons mettre ensemble. Et l'organisation d'EnviroRisk est une de ces occasions et nous l'apprenons systématiquement et y participons systématiquement. La particularité de notre action cette année, ça a été le feu de forêt. Panoptes, c'est le projet que nous portons. Ça veut dire qui voit tout. C'est un dieu grec. Comment, demain, sommes-nous en capacité de détecter et de suivre les feux de forêt sur l'ensemble du territoire, le citoyen, les réseaux sociaux, les capteurs terrestres, les capteurs aériens, les drones, les satellites, tout ce qui va nous permettre d'améliorer la sauvegarde de nos forêts et de nos habitations périforestières. Et sur notre atelier, plus de 80 personnes étaient présentes, deux ministères, des acteurs du public, aussi bien que de l'industriel. C'était une vraie réussite. Et cet atelier nous a permis de confronter les industriels après la mise en place d'un appel à manifestation d'intérêt national qui nous a permis de sélectionner 21 projets, plus de 50 structures différentes qui vont de l'association jusqu'au groupe international en vue de répondre à ce besoin national de réponse rapide face aux feux de forêt. La participation à EnviroRisk, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. On est bien encadré. La solution qui a été proposée cette année sur le site de The Camp était extraordinaire. Infrastructure parfaite, accompagnement nickel, très bonne ambiance, très bonne humeur. Voilà. S'il y a une zone sur laquelle il y aurait des choses à améliorer, eh bien je ne sais pas c'est quoi. Mais en tout cas, nous, on est prêts à relancer l'expérience avec les organisateurs. C'était une très belle expérience.